Bad Trip, la vidéo, c'est beau! Je vais commenter ce Koh-Lanta en différé car hier je suis allé voir un super spectacle, Mesmer à Paris, un gars qui hypnotise la salle de spectacle quand on y allait. C'est hallucinant et je pense que ce gars ne triche pas puisqu'une amie qui était avec moi a été hypnotisée. Et elle n'était pas payée pour être hypnotisée. Allez voir Mesmer à Bobino, c'est de la folie. Ce soir c'est Koh-Lanta et ce soir je mange de la soupe. Alors, top pour manger et top pour Koh-Lanta. Oh, une murène. Merde, Koh-Lanta a pas commencé que je me viens de me rappeler que il y aura pas Sarah. Elle est partie. Il y a pas de Sarah qui part, qui tienne. Oh, une murène. J'y avais pas pensé parce que je suis pas fumeur. Mais les mecs qui partent sur l'île, s'ils ont pas de paquet de clopes. Un mois sans clopes, 40 jours sans clopes. Putain, ils doivent douiller, les mecs. Denis, je voulais savoir, est-ce qu'on pourrait avoir au moins des cigarettes électroniques, s'il te plaît. Denis, s'il te plaît. Ou alors de la paille qu'on pourrait fumer, s'il te plaît, Denis. Je te donne tous les coquillages que j'ai trouvés. Oh, une murène. C'est à tout le monde de faire des efforts, autant d'eux comme moi. Autant d'eux comme moi. Ah non, Philippe, il a joué perso, il est jamais là. On le cherche tout le temps. Dès qu'il peut, il se barre. Quand il peut éviter de nous parler, il nous parle pas. Il a joué solo, il pense qu'à lui. Ah. Ah non, il revient avec Dubois. Ah bon, non, bah. Non, j'ai rien dit. Bon, quoi que je fasse, ils me prennent pas. De toute façon, je suis pas venu là pour faire couper une copine. Non, mais. Pas leur aller chier le cul. Une murène. Ils vont faire un trek et il n'y a pas Sarah. Il n'y a pas de trek qui tienne. Je suis content qu'il y ait un trek parce que là, j'en ai plus qu'au-dessus de la cafetière. J'en ai même au-dessus du Nespresso. J'en ai même au-dessus de George Clooney. Alors. Oh, une murène. Dans ce trek, aujourd'hui, je lui donne la note de 4 sur 5. Mais vu qu'il y a une malle à transporter, je lui donne la note de 5 sur 5 au niveau de la difficulté sur l'échelle de Richter. Qui est l'échelle pour les tremblements de terre. Je sais pas pourquoi. Si l'échelle elle est à Richter, alors faut lui rendre. I'm playing with the world. Les garçons, ils nous époustouflent. Namadia, lorsqu'il voit un rocher et qu'il va devoir descendre du rocher, parce qu'il y a un petit rocher à enjamber, il dit attention, il y a un rocher à escalader. Alors, est-ce que escalader, c'est pas juste qu'on va vers le haut? Ils sont pour l'instant placés dans des sacs accrochés à des fagots de bambou. Ces fagots, ils sont disposés dans la pente régulièrement. Ces amulettes, il va falloir les récupérer par ordre croissant. Ces poteaux sont disposés dans la pente régulièrement. Quand vous êtes ici, l'épreuve se termine et il faut reprendre votre trek en direction. Vous voyez ces petites tortues? Bon, très bien. Ces tortues, elles sont dans un sac, dans des sacs. Ces sacs sont accrochés à des poteaux. Il y a 5 sacs, 5 poteaux. Ces poteaux sont posés de manière régulière dans une pente. Faut aller dans la pente, récupérer les sacs. Quand vous avez récupéré les sacs, vous courez, vous allez revenir à un endroit où il y a un panier. Vous mettez les sacs dans le panier et après, ça va faire appuyer sur un truc qui va soulever une ficelle qui va ouvrir de l'eau. L'eau va s'écouler et donc il y a une trappe qui va se fermer. Et voilà. Et ben voilà. Facile. J'avais rien compris en fait. Il y a de l'eau qui se vide et il y a le récipient où ils doivent mettre les amulettes qui se ferment. Et en fait, ils doivent aller plus vite que l'eau. C'était plus simple que je pensais. Oh, une murène. Les rouges, ils ont pas de Denis Brognard pour l'épreuve. Il a pas eu le temps de venir. Namadia voit les jaunes dans la forêt. Il y a les rouges. Surtout, on leur dit rien. Camille, la jaune, voit les rouges, elle. Oh, c'est les rouges. Coucou, coucou, comment ça va? Oh, une murène. Plus vite il atteindra la fin du parcours avec son sac d'amulettes, plus vite. Ah oui, vous avez vu? Sur le truc. C'est bien. Six sacs, on a bien battu. Et le septième à vos pieds. Ah putain, ça s'est fermé au dernier moment. Le truc pour les rouges. Dans le cul. Je suis trop nul. Oh, une murène. Cette nuit fait partie du podium des nuits de Koh-Lanta. Par contre, qu'est-ce qu'on pue des pieds? Le véridique, c'est dans plus très longtemps. Les rouges, ils avancent comme les éléphants.
Vous savez, les éléphants, quand ils avancent en se tenant la queue avec la trompe, bah eux pareil. Sauf qu'ils se tiennent pas la queue. I'm playing with the world. Est-ce que vous avez dans votre malle un deuxième bambou complet? Est-ce que t'as du bambou? Qui a le bambou? I'm playing with the world. Dans votre malle. Sortez là. Il en fait maintenant un par un. Égalité. Ils se partagent la récompense, mais ils savent pas ce que c'est. Ils sont là, ouais, super. Et c'est un grain de riz. Alors vous démerdez. Voici une pince à épiler. Oh, une murène. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. La touch. La touch. Playing with the touch. Elle chantait les To Be Free. Elle chantait les To Be Free dans Koh-Lanta. Tiens, ça serait trop bien d'inviter les To Be Free sur Koh-Lanta. Oh, du cigale et de la fourmi, c'est toujours la fourmi qui a le dernier mot. Et on voit des fourmis. Ils sont complètement débiles, les jaunes, de manger leur riz tout de suite. C'est débile. Perreux de lunettes et en avant, Gengar. Je comprends pas cette expression. Eh, les rouges, ils trinquent avec des verres vides. Trop bien. Il y a un drapeau américain sur le bateau. Eh, mais c'est le Koh-Lanta des chansons de merde. Santiano, maintenant. Oh, une murène. Tu prends les rayons du soleil et tu les plantes. Tu prends les rayons du soleil et tu les plantes. Les rouges, ils sont tellement heureux sur leur bateau, ils se moquent tellement des jaunes que j'aimerais tellement qu'ils perdent l'épreuve d'immunité pour qu'ils soient obligés de voter les uns contre les autres et qu'ils se détestent à nouveau. Philippe a ramené à manger, Philippe a ramené à manger. Il a fallu 5 épisodes de Koh-Lanta. Ça va? 10 ans d'entraînement, 5 épisodes de Koh-Lanta, un poisson. Ouais, après la soirée d'hier soir, j'ai un peu la tête dans le cosmos. Bonjour docteur, je viens vous voir parce que j'ai des hémorroïdes dans le cosmos. I'm playing with the world. Le nom de la nouvelle épreuve, les derniers sont les premiers. Céline Dion, le Koh-Lanta des musiques de merde. Preuve d'immunité, est-ce que les rouges vont continuer à s'aimer? J'ai compris le jeu du premier coup. Les jaunes ont gagné! Et voilà, les rouges qui s'aiment, qui s'adorent, vont devoir s'éliminer les uns les autres. Et ça va foutre la merde, après la pub. Oh, une murène! Hugo, j'étais carrément passé à côté de lui, parce qu'il parle peu. Bah, c'est un mec cool, il a l'air bien. Effectivement, il n'y avait pas de blague dans la dernière phrase. Tous les rouges cherchent le collier d'immunité. La pêche d'Hugo! Ce poisson! Philippe, il est dégoûté. Oh, c'était moi qui avais pêché le plus gros. À mon avis, c'est Elodie qui part. Myriam, tu les as trahis. Ils se sont sentis que tu les allais trahir, alors ils ont voté contre toi. Et toi, maintenant, tu dis je vais voter contre eux parce qu'ils ont voté contre moi. Excuse-moi, mais c'est un petit peu la merde qui se mord la merde. Et ben voilà, pendant la pub, une pub pour le dernier album de Johnny. Ah, vraiment le Koh-Lanta des musiques de merde. Pourquoi je l'ai joué comme ça? Oh, une murène. Oui, c'est bon. Arrête avec le suspense, Denis, on le sait. Elodie, oh là là. C'est la maman de la tribu qui rentre à la maison faire la maman. Pour de bon. Ça rime. Moi aussi, j'ai fait une chanson de merde dans ce Koh-Lanta de musique de merde. Mais pas ta musique qui fait peur. Elodie, ils ont pas l'air d'être fiers d'eux. À part Myriam, qui a l'air là, sur le coup, vraiment conne, finalement. La semaine prochaine, je crois que c'est les rouges qui gagnent même le coup de téléphone, vu les images. Oh, une murène. La semaine prochaine, je ne suis pas sûr qu'il y ait un résumé de Koh-Lanta, puisque le Golden Show va à Montreux tourner un film avec tous les gens du Montreux Festival du Rire, Festival du Rire de Montreux. Donc nous sommes pendant 7 jours à Montreux, vous pouvez venir même nous voir, il y a une soirée web où il y aura des sketchs diffusés. Venez, venez nombreux, et puis sinon, bah, je vous dis à bientôt pour un résumé de Koh-Lanta. Pourtant que la montagne est belle.